Eh bien, salut tout le monde. Là, je dis bonjour, bonsoir. Ça dépend côté nous, côté Naftandib. Je suis bien content de saluer nous, Jean-Aubert Philippe. Depuis la capitale fédérale américaine, dans Washington DC, nous avons commencé à brancher. Nous avons notre DAP avec Nouvelle-Yo. Et je dis assez mardi 15 d'août. Donc, vraiment confusion là. Je dis assez fête Marius Pierre. Avec nous dans le service cœur là et neuf pour passer à cette fête Jacques Baptiste et même c'est pensionnaire service cœur là pour dire même pas été pris depuis quelques temps mais et il dit pas trop tapon dit tous les deux bonne fête actualité à sur plan d'abord international du fait bouler entre la Russie avec Ukraine a continué dans Niger. Le département d'État américain exprimé inquiétude et après l'idée militaire, après militaire déclaré, il a jugé le président déposé à Mohamed Bazoum pour peut-être accusé comme quoi le parler ou une conversation de pagaine avec l'idée étrangère. Vous savez ça comme une sorte de trahison. Donc, le département d'État exprimé inquiétude sur le sujet. Là, le sujet a été étudié pour être en santé, parce que le président déposé a parlé de ce mouvement. Et a soumis encore le CDAOA. Continue à mettre le sous militaire pour être capable de remettre le pouvoir. Bien, le président déposé a remplacé. Il y a même une menace militaire toujours là. Toujours envie de mener une attaque militaire pour retourner à Passy en président de Posia. Et puis, ça a passé là encore et a été à sous frontière. Et bon, on connaît que l'activité n'a pas tellement changé, la frontière a toujours fermé techniquement. Les gens qui ont toujours demandé asile à condition qu'on prenne rendez-vous. Et sur la frontière, nous connaissons que les États-Unis ont mis sous pied là un programme, en fait, du fait élargi, un programme d'admission sous condition que élargi pour entrer deux autres pays là-dedans, c'est Haïti avec le Cuba. Mais c'est pour nous qui ont une demande de résidence ou de retour. Pour recevoir une invitation et leur recevoir une invitation, pour aller dans l'autre forme, ici 134A, de façon pour nous avoir un très vite en résidence aux États-Unis. Donc, nous avons venu sur le dossier Savoir et nous avons contacté avec Gary Joseph, qui est responsable de chaîne Bridge Alliance, qui est lui-même impliqué en pile dans le dossier ça, qui est capable de plus de détails pour nous sur le dossier Savoir. Et puis, nous avons vu République Dominicaine, qui prend une entreprise dans San Cristobal, et bien, du fait ça, il y a 11 personnes qui mourent, il y a 11 personnes qui disparaissent, qui paraissent pendant la perte, et puis il y a 52 personnes qui blessent. Donc, 11 personnes qui mourent, c'est pour plus petit, peut-être, quand c'est des personnes qui mourent, capable d'augmenter, ça dépend et dans l'heure ou bien encore jusqu'à passer. Et puis, le président gouvernement dominicain a annoncé qu'il va mener une enquête pour qu'on ait cause, pour chercher qu'on ait cause. Explosion ça qui fait dans l'entreprise, ça n'a pas pour fait dans San Cristobal. San Cristobal, c'est une petite ville, une ville qui est tout près Santo Domingo, et un petit peu au sud, sous pour aller en Haïti, donc se mettre tellement en direction sud. Donc, on va venir San Cristobal et pour traverser leur vidéo, et ta compagnie, à soi, et puis là, on vient dans le côté, on va faire à droite, on continue à aller dans zone plateau central. Et on fait à gauche, on continue en zone Balaona, Imani, on va tomber en Haïti, sur Haïti, donc voilà, on va tomber en Haïti. Voilà, c'est ça, nous avons pour nous parler de où, de nous dire encore, et puis, donc, pour nous faire dire ça, nous parlons de la sécurité qui fait
qui est inclus Haïti avec Cuba dans le dossier immigration sous parole là, sur admission sous condition, eh bien, il a fait l'urgence. Demande dans 100 ans, on y a pour faire l'ici, forme 134 ans, mais pas le faire comme ça, sans pas avoir une invitation, car il y a une demande de visa center. L'élevine de visa center, c'est dit que le service immigration est déjà approuvé, demande Mario, Madame, Petit Tout, ou bien papa ou bien maman qui fait pour vous, donc il est déjà approuvé, s'il est déjà approuvé, donc maintenant, il n'est pas entré dans l'autre catégorie, il n'est pas en approbation, il ne peut pas poursuivre l'invitation ça. Et puis, on a dit, les résidents n'ont continué à courir des gens qui sont dans la zone Kafoufé, toujours, qui ont même mis ça aux abois pour chercher des refuges. Il y a eu des manifestations pour demander aux autorités pour garantir la sécurité. Bon, ils ont mis des têtes dans la zone palais ou dans la zone primature, côté travail plein. Et bien, monsieur, et bien, la police s'est gagnée la manifestation ça, avec gaz lacrymogène. Mais nous devons continuer à chercher pour nous continuer à prendre des autorités d'assistance. Je veux dire, c'est que vous faites en Haïti, je veux dire, c'est fait Notre-Dame. Et Notre-Dame, donc, une ville Cap-Haïtien a célébré, Port-au-Prince a célébré, Okaï a célébré. Et on s'est fait que vous célébrez plus en Haïti, parce que Okaï a célébré, Tigua a célébré, et Wanamet a célébré. Quoi que nous battons plus moins dans notre date de l'Assomption, donc tout le monde s'est célébré. Donc, je veux dire, c'est chômage en Haïti. Donc, on est tout grand pile, fête champagne, tout grand pile, balle, tout a fait tout le diable. Je parle de nous de groupe musical Haïti qui a dit que là, à jouer, et il y en a d'un haut, c'est Zafem qui ont tourné l'affaire et pratiquement en Haïti, c'est dans ça. Là. Et puis, c'est l'ambiance là. Ouais. Et bien bon, voilà. Et puis, on a appelé Vouégo, Chabo Bassection, football et U15 haïtien, nous avons bloqué, qui a participé dans le tournoi et CONCACAF et en République Dominicaine. Et bien, Haïti était perdu dans la semi-finale face à États-Unis. Personne ne va comprendre ce qu'ils ont fait. États-Unis ont rencontré Haïti deux fois, d'abord dans une phase de groupe, puis ils ont rencontré encore en semi-finale. Normalement, c'est à deux dans la phase. Et la finale de rencontre, bon, c'est pas ça qui est passé. En tout cas, États-Unis, Cali, Mexique, et pour l'idée finie, et pour le fini, pour le grand trophée, après ça. Et puis, Haïti lui-même, consolé là avec une victoire de la portée de la Jamaïque, Haïti fini, et troisième, et tout, Haïti au coup. Alors, j'aime bien la dire, et au fur et à mesure, titre fair play. Donc, je fais moins de gros salons maintenant, dans le tournoi, et donc, je prends moins de 4 en tout. Donc, certainement, ça fait augmenter. Super play à puis dans semi-finale et premier semi-finale Coupe du monde football féminin qui a pu jouer dans l'Australie avec Nouvelle-Zélande. Et bien nous avons dernier carré à jeudi à un match tout. Premier match à l'Espagne, remporte la victoire 2-1 face à la Suède. Un bel match, bel match, ballon roulé sérieusement, pas de bien pile beau sale. Mais le résultat est calé de votre côté. En tout cas, là, les maintenant Espagne, donc l'Espagne qualifié pour la finale là. La première fois que la semi-finale a déroulé mercredi 16 novembre non? Entre l'Angleterre avec l'Australie et l'organisateur. Et puis deux perdants après avoir rencontré samedi 19 et puis deux vainqueurs après rencontré dimanche 20 pour titre champion. Voilà, c'est comme ça, voilà, mes amis. Pas grand encore comme je dis, nous seulement jeudi à nous dans la et puis il y a une autorité en Boston. Massachusetts qui a décrété un état d'urgence pour des concours à cause pour aider immigrants que l'autorité dans l'État de Texas voit Bayo et qui semble que mon avis dans la rue va un peu de plus dormir. Donc on voit appel financier américain, même état d'urgence même pour essayer d'assister les gens qui immigrants qui étaient sur frontière qui traversaient, mais l'autorité de Texas a décidé de mettre un bus et pour eux dans toute ville qui côté que démocrate a dirigé. Même situation nous jeunes pour New York tout, il y a un paquet de gens qui ont dormi devant un hôtel et nous avons fait un reportage que nous avons fait sur ça hier, mais justement, c'est dans le même cas ça que l'État d'Exas, par exemple, a voué par une ville, une ville qui est démocrate a dirigé, immigrant de Constitution, pour exprimer mes contentements avec l'administration et l'administration pour sous un processus d'immigration. Mais c'est un dossier qui est toujours ouvert.
et qui là et puis secrétaire d'État américain en train de confronter encore dernièrement avec l'autorité mexicaine. Mais c'était pas justement de dernières décisions qu'ils prennent pour façon pour assister immigrants qui déjà au Mexique yo, et États-Unis ont annoncé des chaises par exemple et de la sécurité d'État a annoncé dernièrement ça et a annoncé que les États-Unis parlent pour les gens qui vivent au Mexique, on dit gens qui vivent au Mexique yo, qui ont vu demander asile, surtout ont vu demander asile. Et Mexique vont être construit on sait de centre pour accueillir mon parce que côté mon yo mon pas en sécurité depuis que t'as accueilli on sait de centre la fonction de centre pour accueillir mon et là il va demander asile et mais nous disons un monde qui déjà qui était déjà au Mexique sont de ces nations pour on a pu parler de ça avant n'importe quelle nouvelle chose parler avec elle nous faisons appeler pour aborder de ces ça avec l'autre dossier mais il y a un progrès qu'a fait en termes de qui j'en pour accommoder mon yo. Les immigrants ont toujours pris rendez-vous pour aller sur la frontière, pour aller demander asile, pour toujours prendre rendez-vous. Ce n'est pas une garantie, parce que techniquement, la frontière est toujours fermée. Mais on a toujours pris rendez-vous, parce que l'autorité dit qu'on ne peut pas venir sur la frontière sans qu'on ne peut pas rendez-vous. Donc, si vous venez sans rendez-vous, ça ne pense pas, l'autorité est capable de prendre des portes et c'est laissé déporter des portes, parce qu'il y a appliqué titre 8 loi sur l'immigration. Et bien, là, ça, on peut passer 5 ans minimum dans le pays. Donc, pour ne pas jamais entrer aux États-Unis, quel que soit que le statut a changé entre temps, pendant après l'expulsion. Parce que le statut a changé, ça va faire rien parce qu'il y a des portes déjà. Donc, voilà une question que nous avons posée. Et puis, il était suivi, nous. Et la fois qu'on est quand même, parce que nous avons besoin de l'Into pour qu'ils font parler avec nous sous dernier développement et question immigration. Question immigration. Oui, comme dit, nous, je dis, c'est fait en Haïti, donc nous ne comprenons pas. Et tout le monde, puis il y a des nouvelles, il y a des nouvelles, il y a des nouvelles pour nous sur ce qui est passé dans le pays d'Haïti. Jacqueline Nakala et Fred de New Jersey, et puis Valéo avec Gentil, qui est même été en Australie avec Nouvelle-Zélande pour couvrir les phases finales du monde de football féminin FIFA. Et bien, M. Sao, très bientôt, il y a pour rejoindre nous ici. Ici aux États-Unis. On dit très bientôt, on va connaître date là, même qu'on est très bientôt, monsieur, après je viens travailler. Je viens faire court travail ça là, monsieur, après je viens quand même, puis retourner encore dans l'équipe là. J'ai toujours fait partie de l'équipe là, quand j'étais à partir de la contribution, et qu'on est après je viens retourner monsieur. Salutations tout le monde, bon après-midi, on en parle encore, bye bye.